viens, Rivera. Se glisser dans la peau d'un soigneur animalier pendant toute une matinée, c'est possible. Depuis quelques mois, la ferme pédagogique du Grand Air, située à Franpa, propose cette toute nouvelle activité. En immersion en plein cœur du parc, les enfants, sous les conseils des soigneurs, nourrissent et nettoient les enclos des animaux. Lapins, cochons, chevaux ou encore vaches Highland, ils sont tous impatients de recevoir leur ration. Une animation ludique ouverte aux jeunes de 3 à 12 ans qui semble plaire. C'est trop bien de venir parce qu'on voit les animaux, on les nourrit. J'aime bien nourrir les animaux, voir Bella. Bella, c'est le cochon juste là. Et voilà, j'aime bien. En plus de s'occuper du cochon Bella et des autres pensionnaires, cette activité est avant tout un moment d'échange et d'apprentissage. Donc elle a des plumes, hein, vous êtes d'accord? Oui. Donc c'est quoi comme... C'est quel animal... c'est quels animaux qui ont des plumes? Les volailles. Alors, toutes les volailles, oui. Mais c'est quoi? C'est des mammifères? C'est des reptiles? Ils apprennent aussi quelques noms, on va dire, de culture générale, entre guillemets, pour les animaux. Donc c'est vrai que c'est important qu'ils apprennent tout ça. Et puis même pour eux, après, vu qu'en principe, c'est des personnes qui aiment bien les animaux, tout ça, ils sont contents de remontrer par la suite qu'ils connaissent et qu'ils ont fait tout ça. Donc ça leur fait plaisir. L'animation soigneur d'un jour est proposée jusqu'à la fin de l'été, les mardis et les jeudis matins.